Salut à toutes et à tous, c'est Riveless. Je vous retrouve pour la suite de Crash Bandicoot Insane Trilogy sur PS4. Dans la vidéo précédente, c'était la défaite du premier boss et l'exploration de cette deuxième salle. Qui est bientôt terminée puisqu'il me reste plus que Crash Crush. Faire une glissade permet d'éviter des obstacles dangereux. Oui. Heureusement qu'ils le disent, hein, parce que c'est vrai, on ne sait pas, hein, quand on voit une barrière électrique sur laquelle on ne peut ni sauter ni marcher à travers, la glissade sauve bien des vies. Allez, je prends les fruits. Et c'est encore un niveau avec une boule qui nous poursuit. Ah. Non, avance! Bah, non, faut que tu ailles de l'autre côté. Car il y a des caisses. Oups. J'aurais dû insister. J'ai sauté trop tôt. C'est bien les indices, enfin les Freewumpo qui donnent une direction à prendre. Et aussi les petites indications là, sur l'emplacement des turbos. Mais non, fallait sauter. Mais moi je me fais toujours avoir à celle-là. Quand même pas. Bah. Alors là, vous vous dites, ouais, j'ai beaucoup d'avance, mais c'est pour une raison bien précise. C'est pour la caisse verrouillée. Donc là, c'était nécessaire de prendre tous les accélérateurs, le maximum. À la limite, il n'y en a qu'un ou deux qu'on peut oublier parce que sinon, là, vous voyez, bon, j'ai un peu pris mon temps sur la fin. Mais sinon, Crash deviendrait une crêpe si on était un peu trop lent.
En tout cas, c'est good. C'était le 10e cristal. Sur 25. Tu es sur la bonne voie. Mais je n'ai plus beaucoup d'énergie. Communiquer risque d'être difficile. Et n'oublie pas que je compte sur toi. Ben ça. Commodore Brothers. Les frères Kimodo. Ah oui, cette erreur de traduction dans la VF. C'était facile. Je le trouve même encore plus facile que dans l'original. C'était très, 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 très rapide. Le Komodo Joe, celui qui est le plus fin, il tourne pas longtemps. Mais bon, bref, qu'importe. Nous avons accès à la salle suivante. Bien joué, Crash. Les frères Komodo n'étaient à l'évidence pas de taille. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Il nous reste encore des cristaux à récupérer. N'oublie pas, le monde entier compte sur toi. Bon, l'autre. Bon. Alors là, ça se voit très bien, contrairement à l'original, c'est que là, et ici, la gemme jaune. Bon, j'aurais besoin de la gemme jaune pour ce niveau-là. Bear Down. Bear, donc on peut supposer que c'est un niveau sur l'ourson. Road to Ruin, qui est un niveau à pied, tout ce qui est plus traditionnel. Et Unbearable. Qu'importe, on va les faire dans l'ordre. Quand je sais pas, je fais dans l'ordre. Bah, le chronomètre pour gagner une gemme spéciale. Sans deck. À quoi il sert le chrono? On se dit, et qu'est-ce qui se passait si j'atteignais le bout du niveau avant la fin? Ouah, c'était juste. Merde. Bon, il y aura peut-être un peu de fail.
On aurait besoin de ce masque. Aïe. Pour être chopé après le cristal. Puis tu n'es pas important dans l'immédiat. Si je fais des sauts de ouf, c'est pour éviter. C'est pour éviter la. Ouais, parce que vous voyez là le saut, ce saut de caisse quoi. C'est bon, là je peux faire le niveau normalement. Tout est calculé. Ce n'est pas ce genre de message que j'aime voir en pleine vidéo. Je sais pas si ça s'affiche. Non, je sais pas si ça s'affiche. Parce que là, ça me dit que j'ai plus de batterie sur la manette, mais ça devrait le faire. C'est possible, mais c'est pas évident, c'est d'éviter de se faire bouffer par une plante. On arrive là sur le côté. Mais là, ici, c'est obligatoire d'avoir un masque. Enfin, je vois pas comment esquiver, enfin, rapidement. Je parle pour la course pour la gemme jaune. Je vois pas comment il est possible d'esquiver. Autant la dernière plante, facile, il suffit de bien raser le mur et de taper un petit turbo pour éviter de rester trop longtemps dans sa portée. Ah, je me souviendrai toujours de cette fois où, sur le jeu d'origine, je cours, je vois la gemme jaune et juste avant que je la touche, le chrono arrive à zéro. Et elle se barre comme si c'était éjecté comme un Free Wumpa, avec le petit bruit de sifflement. Ah, j'étais dégoûté ce jour-là. C'était drôle, mais rageant. J'ai bien envie de se faire celui-là. Assez près de la console, je vais pouvoir mettre mon petit câble USB afin qu'elle se charge. Afin que la manette se charge, voilà. Ah. Donc déjà plusieurs choses à souligner. Sur la gauche, vous pouvez voir qu'il y a une statue qui crache du feu et vous pouvez peut-être discerner une caisse interrupteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé d'une entrée secrète et elle se trouve de l'autre côté. Mais bon, ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Strike! Voilà, un petit chemin de la mort. Bah, je peux vous montrer, mais il n'y a rien là-haut. Ah si, il y a une vue. Je pensais qu'il n'y avait que des Free Wumpa.
petite vie là. Non, pas tout de suite. Nickel. Merde! Je voulais revenir derrière. Bon bah, au moins c'est fait. Je suis revenu derrière. C'est parce qu'en fait, le cristal, par rapport à là où j'ai atterri, il se trouve derrière. Je suis triste. Dans le jeu d'origine, ça popait quand même. Là, il faut pour en être éloigné pour que ça pop. Je ne vais pas faire le niveau bonus puisque je ne pourrais pas avoir je pourrais pas avoir la gemme des caisses. Bon, ça va, hormis une mort con, enfin pas si conne que ça, puisque cette partie du niveau n'est pas faite pour être faite dans le sens inverse. Mais bon, c'est pas trop mal. Bon, qu'est-ce qu'on me veut encore ? Bah, il essaye de faire. Déjà, il t'utilise. Déjà, il est, c'est ce qu'il est en train de faire. Puis, il veut construire un truc. Pour lui, quoi. C'est pour lui qu'on fait, là. Mais bon. Donc, là, plusieurs choix s'offrent à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Sooner or later. Non, je me sens d'humeur à faire ce niveau-là. Je sais pas pourquoi. L'ours géant ouvre un passage secret. Ça spoil un peu ce qu'il y a dans le niveau quand même. C'est pour ça que j'aime pas vraiment. C'est le seul truc que j'aime pas dans le remaster, c'est tous les indices qui sont en fait des grosses soluces et des mini spoils. Quand c'est la première fois qu'on fait le niveau, on devrait pas le savoir. Vous avez remarqué, contrairement à l'original, j'ai conservé mon masque. Il y a un ours géant qui me course. Ah, no problème. Tu fais un câlin. Bon, tant pis. Je préfère le format miniature, il est plus mignon quand même.
Hé, l'ours, t'as oublié trois planches. Bon, un passage secret. Alors déjà, avant de prendre le masque et d'être invincible, il y a deux vies là-haut. Bon, on les voit un petit peu dans le remaster, mais on les voit beaucoup moins, quand même qu'on les voit pas du tout dans la version d'origine. On n'oublie pas cette caisse-là. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai pété l'interrupteur à nitro? Si vous avez fait attention, quand je suis entré dans le niveau bonus, il y avait déjà des caisses de pété. C'est parce que juste ici, normalement, il y a 4 caisses de nitro. Voilà. Mais réflexe, je vois la caisse, je tape. Oh là là, hey, tu devrais prendre un chewing-gum, toi. Oh yeah! On évite de faire un câlin à la TNT. Hein. La même famille que la Nitro, sauf que c'est moins susceptible quand même. Yeah, mais je vais pas sortir par là. Non. Je sais pas, il y a moyen normalement. Oh, je peux remonter le niveau. Y a Polar. Copain. On refait un tour. Copain. Eh ben oui. C'est un petit secret une fois de plus. La première fois, je me suis dit, le jeu est buggé, j'ai le droit d'aller là. Je remonte jusqu'à l'ourson et je vois que je suis téléporté à la salle secrète. Ah ouais, d'accord. Ah, sauf que ça m'embête de faire le niveau Totally Beer alors que j'ai un masque. Je le ferai après. Encore. Je vais aller là-dedans.
Alors déjà, nouveauté si je peux dire, c'est que là, l'eau est vachement élevée. Bon, on a découvert ça quand même dans... Comment ça s'appelle ? On a découvert ça dans le premier niveau. Et voyez ça, dans la version d'origine, on était obligé de le faire. Parce qu'activer l'interrupteur qui détruisait les nitro ne détruisait que la nitro. Et là, ça y est, là, enfin, là, là-dedans, on fait les choses bien. Oh, c'est triste. Enfin, c'est triste, oui et non. Je vous montre que ça, normalement, ça, voilà. Si vous allez, si vous continuez jusqu'au bout, vous allez rejoindre le niveau beaucoup plus loin, mais vous allez louper toutes les caisses qui vont avec. Donc là, c'est dommage. Je dois reperdre mon masque et devoir me suicider. Du coup, je disais un truc que je ne sais même plus puisque je suis parti dans 36 000 choses. Aïe, j'aurais pas dû partir là. Ouah, t'es loupé. Je disais, il y a une eau assez profonde. Et il me semblait que dans le crash d'origine, ça n'était pas gênant. Enfin, quand on avait le masque, enfin, quand on était invincible, on avançait quand même super vite. Donc, faut croire que ce n'est plus vrai maintenant. Ah, la nitro. Je le fais à l'ancienne. Parce que là, typiquement, comme je vous ai expliqué maintenant le nouveau fonctionnement, enfin, ce qui devrait être le fonctionnement réel de la nitro, enfin de l'interrupteur nitro, ça veut dire que là où il y avait des caisses chiantes, mais vraiment chiantes, hein, c'est-à-dire que du coup, on avait une chance sur 10 de s'en sortir, bah maintenant, on peut esquiver et se dire, oh, l'interrupteur, il fera son boulot. Qui en soi est vrai maintenant. Voilà. Alors là, c'est le moment de jouer au bowling, les gens. Oh là là, toutes ces explosions, ça m'émeut. Allez, pète-moi ça. Merci. Strike. Ouha. Oh merde. Ichtre. Je vais devoir repasser. Allez. J'avais oublié. Merde! Je pensais que ça se serait régénéré avec le temps. Faut croire que non. Heureusement, j'avais un masque.
J'avais oublié qu'il y avait la caisse interrupteur normale avec la caisse interrupteur nitro. Bon, en tout cas, voilà, ça, c'est fait. J'ai fait Plant Food, j'ai fait Road to Moon, j'ai fait Unbearable, j'ai fait Sooner or Later. Pardonnez l'accent anglais effroyable que j'ai une fois encore. Il me reste Beer Down et il y a Beer Totally que je n'ai, enfin Totally Beer que je n'ai pas fait tout à l'heure. Bah tiens, je crois que je vais aller le faire maintenant, Beer Down. Quoique. Oh, je sais plus. Non. Donc j'y suis, je fais Beer Down, puis voilà. Je suis juste à côté du portail. Ah, mais j'aurais pas dû, en fait. Quand je vois le temps de la vidéo... Bah, allez, un petit extra. J'aurais pas dû. Bon, ça va aller, ce niveau-là. Il est mignon tout plein. Ouf, c'est passé tout juste. Alors, normalement, j'aurais dû faire une charge. J'ai tourné trop tôt. Sur la glace, il est bien plus maniable maintenant, Polar. Alors que dans le jeu d'origine, il fallait plutôt anticiper. Je compare beaucoup avec l'original puisque il est fait dans tous les sens. Wait. Attendez un petit peu. Il y avait comme des... Oui. Quand vous voyez un truc, vous vous demandez si c'est inutile? Non. Rien n'est inutile. Si c'est là, c'est pour une bonne raison. Comme la plateforme qui servait a priori à rien dans Aircrash. Comme cette plateforme-là où il n'y a que dalle. Ben, si en fait, il y a quelque chose. C'est là que je me dis que normalement, enfin à l'époque, ceux qui finissaient le jeu, c'était les gens qui étaient curieux. Parce qu'on pense pas forcément à ça. Les choses se corsent. Les 10 derniers cristaux seront les plus durs à récupérer. Et mes... nos ennemis vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour t'abattre. Je te recontacterai à ton retour de la prochaine zone de téléportation. T'es pas clair. Bon, du coup, je vais vraiment m'arrêter là. Quel sera au programme les choses qu'on va faire? Bah déjà, je vais faire Totally Beer. Et je vais entrer par là où c'est caché dans Aircrash. Ça me semble déjà être un bon programme, puis évidemment, je me farcirai le troisième boss et je commencerai la quatrième salle.
Et ben voilà, merci de m'avoir regardé sur cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut !